Je m'appelle Elisabeth Vederpes. Je suis née à Saint-André, au Brésil, et je travaille comme directrice du Centre international de recherche sur les cancers, basé à Lyon. La mission du CIRC est de décrire l'épidémiologie du cancer. C'est aussi la diplomatie scientifique. L'idée, c'était que tous les pays au monde travailleraient ensemble pour résoudre un grand défi au niveau mondial. Ce défi est toujours le même, trouver les causes et diminuer les fardeaux dans les cancers. Je me suis engagée au CIRC il y a en fait 30 ans, quand j'ai débarqué à Lyon avec un tout petit sac à dos. C'était une ouverture merveilleuse. J'étais absolument enchantée par Lyon. C'était la ville la plus belle que j'avais jamais vue. L'illumination, surtout des bâtiments anciens, m'a absolument fascinée. Je pouvais passer des heures et des heures à regarder ces bâtiments et ça me fascine toujours. L'abondance de la vie culturelle, c'est exceptionnel, ça n'existait pas ailleurs. Et l'Institut Lumière représente exactement ça. C'est là où tout est né. Il est d'une richesse et d'une profondeur immense. Le cinéma, c'est l'histoire de l'humanité, avec tous les changements que la société a vécu. Et je crois que toute l'humanité maintenant a un bénéfice direct du travail des Frères Lumière. Pour moi, Lyon, c'est la joie de vivre. Les gens sont très spontanés, très ouverts. Ils aiment rencontrer les autres. Je me sens lyonnaise dans mon cœur.